say you get me. But I know say you the lie with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you. Even when I don't say you the lie, no. Yeah, I miss you. Even when I don't say you the lie. Bonjour. Bonjour, je suis Grace-Mine de Bissima. Yves Poitiers-Lélé. En ce qui concerne notre première rencontre, je dirais d'abord que Grace est une sœur de la paroisse. On s'est connus à l'église, à la paroisse. Et je suis membre de cette paroisse. Il s'agit bel et bien de la paroisse Marie-Mère du Rédempteur. Là, moi, j'étais déjà Yamika à la paroisse. Et moi, je suis Yamukasa. Donc, c'est par le biais du Mouka qu'on s'est rencontrés. Il était nouveau venu à la paroisse. Donc, c'est nous qui l'avons accueilli à la paroisse, tant que Yaya, un nouveau Yaya. Cela qu'on se connu, puis petit à petit, on a commencé à s'habituer. Je sais que je me suis présenté officiellement à la communauté paroissiale, notamment au groupe physique honorite, le 1er décembre, qui est aussi le jour de mon anniversaire. Et donc c'est ce jour-là que j'ai été accueilli par tous les encadreurs du groupe. Et parmi les encadreurs, il y avait Grace. Et ça fait beaucoup de temps qu'on se voyait presque plus et on s'est salué presque plus. On s'est passé parfois, si on se voit, par un moment, on s'est dit bonjour. Ma vie avec toi. Le coup de foudre, le premier coup de foudre. Concernant le coup de foudre, je dirais que c'était pas facile qu'il y ait un peu de coup de foudre parce que je me disais bon non, bon je ne lui comptais même pas qu'il est Yves Poitiers-Lélé. Je le vois seulement Yaya de la paroisse. Pour notre cas, l'amour est dans le pré. Quand je commençais à faire mon mémoire, quand je suis en L2, j'ai connu un assistant de mon cours de méthodologie qui était le collègue Yves Poitiers. Mais on avait un travail de fond. Et du coup, à la fin, il nous a demandé de prendre une photo d'ensemble. On a pris une photo et après de prendre une photo d'ensemble, il m'a demandé. Je lui ai demandé, est-ce que je peux voir la photo? Je regardais, du coup, je suis tombée sur la photo de Yves Poitiers. Et j'ai dit à mon assistant, oh, j'ai l'assistant, tu connais ce garçon? L'assistant me dit, oui, je le connais, pourquoi? J'ai dit, non, non, c'est un frère de l'église. Et puis c'est fini. À chaque fois que l'assistant me voyait, il me disait toujours, comment il va? Bolingalina noté. C'était ce qu'il me disait tout le jour qu'on se voyait. Une fois, je partais à la messe. À 18h, j'ai passé rapidement. J'ai vu Yves Poitiers à côté. Il m'a salué. Bonjour Dada. Je lui ai dit bonsoir, tu vas bien? J'ai répondu oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Justement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que tu connais l'assistant Charles Boukoko? Il m'a dit Charles Boukoko, Junior Boukoko. Je lui ai dit oui, c'est lui. Ok, c'est un collègue. J'ai dit ah, ok, j'ai vu votre photo chez lui. Il m'a dit, oh, que tu allais me passer, tu vois, que tu allais me passer. Tu n'allais pas me dire tout ça. Parce que c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à côtoyer Grace, que j'ai commencé à ressentir des sentiments pour elle. Vraiment un sentiment profond et fort. Mais quand j'ai encore vu sa photo chez l'assistant, Modeste Boukoko, c'est là que j'ai eu un peu la curiosité de connaître comment est-ce qu'ils se sont connus, comment. Et c'est un peu ça. En tout cas, ce qui concerne le coup de foudre, c'était au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler notre mémoire ensemble avec lui. Je me suis fait son encadreur, son co-directeur. C'est presque tous les jours, je dirais même mieux, c'est tous les jours qu'on se voyait, c'est tous les jours qu'on s'appelait pour parler de mémoire. Et c'était un bon prétexte pour passer vraiment du bon temps avec elle. Je me rappelle même qu'on s'appelait ou on chattait jusqu'à 1h, 2h du matin et c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. C'est là que je commençais à m'intéresser à lui. C'est là que je me suis dit non, c'est un beau garçon, bon, on peut en s'y mettre quand même. On va voir ce que ça va donner petit à petit. Et c'est là que tout est venu comme ça naturellement. Alors pour ce qui est de notre premier rendez-vous, je me souviens que c'était un certain jeudi
3 mai à Magasin. Chez Bibi. Pour finaliser les travaux relatifs à son mémoire, il nous fallait interviewer le plus grand nombre possible des Bashi. Alors comme j'ai des collègues, j'ai plusieurs collègues Bashi, je les ai contactés. J'ai pris rendez-vous avec eux et le jour en question, on s'est vu avec Grâce à Lupin. On a pris le transport ensemble jusqu'à Kitambo Magasin, le lieu du dit rendez-vous. C'était... En réalité, c'était pas ça. Donc le monsieur avait déjà fait son programme. Après ça, on allait parler. Les collègues sont partis. Nous sommes restés avec Grâce en train de bavarder, de rire, d'échanger, de blaguer. Et j'ai profité de ce moment pour lui exprimer mon besoin. C'est là qu'on s'est fixé tout sur la table. Évidemment, puisque nous nous étions déjà rapprochés, donc l'amour était déjà dans l'air, elle était déjà dans la sauce, et donc ça ne pouvait que marcher. Ça ne pouvait que marcher. Le plus beau souvenir, en tout cas, c'est le jour de la demande en mariage. Moi, je me disais que jamais on peut me faire une surprise. Mais ces jours-là, on m'a eu. Et non, c'était romantique, c'était beau, c'était waouh. C'était trop, trop chou. Le plus beau souvenir que je ne peux jamais oublier, c'est ce jour-là. J'ai crié, j'ai vu tout le monde était là pour moi et tout. Mon frère est sorti de la maison sans me dire. Pourtant, il partait là. Mes soeurs et toi, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. C'est le plus beau souvenir que tu l'as gardé en moi. Je dirais que le plus beau souvenir, c'était à l'occasion de la survenance d'un événement malencontreux qui m'était arrivé. Pendant ces moments, je n'avais pas le sourire. Je n'avais pas envie de sourire. Et je crois, Grâce est venue une première fois. On a passé toute la journée à la maison. Je sais que ce jour-là, je n'ai pas souri. Elle est revenue une deuxième fois. Et je crois qu'elle est revenue avec le défi de me faire sourire. Et elle a réussi. Et pour moi, c'était vraiment un exploit. J'ai beaucoup aimé. Elle est venue. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires. Avec son enthousiasme. Elle m'a emmené à jouer aux cartes. Et je ne sais pas par quel miracle, j'ai souri. J'ai éclaté de rire. Et c'était vraiment formidable. Qu'est-ce que je peux dire à Grâce? Grâce, que j'appelle affectueusement Choudra, que j'appelle affectueusement Grachou, elle est la prunelle de mes yeux, elle est le cœur de la citadelle, elle est le sanctuaire. Elle est celle que j'aime et je l'aime de tout mon cœur. En regardant cette vidéo, je voudrais qu'elle sache que vraiment je la porte dans mon cœur et que je souhaite qu'elle puisse vivre le bonheur, qu'elle vive le bonheur parfait, qu'elle soit heureuse et je lui demanderai de rester la personne qu'elle est. La Grachou que je connais, la Grachou que j'ai aimée, la Grachou avec qui j'ai cheminé, la Grachou qui a été ma fiancée, une fiancée dévouée, une fiancée vraiment qui a un sens très élevé du sacrifice et du devoir, une fiancée vraiment très sociale. Je veux qu'elle reste comme ça, qu'elle reste comme ça, qu'elle reste enthousiaste parce que j'aime la voir sourire. Elle doit rester souriante parce que c'est ce que j'aime en elle. Elle doit rester enthousiaste parce que c'est ce que j'aime en elle. Elle doit rester, mouvementée. C'est cette partie d'elle que j'aime, cette partie-là d'elle que j'aime. Qu'elle ne devienne pas académicienne, qu'elle ne devienne pas, timide. Non, je veux qu'elle soit toujours enthousiaste, qu'elle soit toujours vivace. Que je la sente comme ça. Et c'est de cette manière-là que nous allons bien vivre dans notre foyer. Nous
allons former notre famille et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons très heureux. Message à mon mari, le plus beau homme. Je l'appelle souvent Sacré-Cœur. Je l'appelle Souci des Crachots. Je l'appelle souvent mon amour. Je l'appelle souvent mon bonheur, ma vie, mon plus beau cadeau du monde. Donc, je peux dire que Dieu l'a créé que pour moi. Le message que je peux lui donner, c'est que je l'aime beaucoup et je continuerai toujours à l'aimer, vu qu'il reste ce qu'il est pour moi. Un homme très attentionné, très doux, très passionné à sa femme, bien sûr. En tout cas, tu es, je ne sais pas, qu'on ne dit pas de comme toi là. Il n'y a que toi, rien que toi. Tu as gagné où beaucoup n'ont pas pu. Je ne sais même pas. C'est bon. Je ne sais même pas. Coupe. Alors, à vous tous, chers invités, nous vous disons un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien. Et merci pour votre soutien, non seulement physique, moral, spirituel, mais aussi un soutien affectif. Merci. Merci. You say you got me, but I know so you the lie with the look in your eyes. Stop acting funny, sure you know they pick my color, don't call you.